Ils ont mis 17 000 harnais à des gens parce qu'ils ont fait d'autres types d'activités avec ça. Ils n'ont pas mis un plasteur. Donc, c'est sécuritaire là, pour regardez les gens qui vont regarder les images. On ne t'a pas envoyé risquer ta vie. Non, non, quand même. C'est quelque chose d'intelligent. C'est aussi quelque chose qui te demande d'avoir une attitude différente. On s'est retrouvé sur le toit d'un hôtel à Québec dans le quartier Saint-Roch au 19e étage. J'ai rencontré Luc. Luc, qui était l'homme d'affaires, qui avait 55 compagnies différentes à l'âge de 30 quelques années. Là. Faut le faire. Et, oui, oui. Puis je vais dire un talent. Un talent, mais aussi quelqu'un qui a compris que par le mouvement, on pouvait vivre des stress positifs. Alors, regarde ça, check un coup d'œil. Parlez français, check ça. Hein? T'es au 19e. Quand on dit... gens en studio nous regardent en disant... Ouais. Quand on dit, là, stress positif, c'est-à-dire que lui, ayant vécu beaucoup de stress qu'il croyait bon pour lui, mais qui a jeté son système à terre, est arrivé avec une activité comme ça et est sorti de sa zone de confort. On m'a installé au bar. On vous a dit, c'est tel que tel pour moi faire une activité comme ça. J'ai fait beaucoup d'escalade, du rappel, des choses. T'as pas mais, peur, là, ça? Veux, veux pas, c'est pas une peur, c'est ton cerveau. T'es assis là, tu penses, le monde pense qu'ils vont faire de l'activité physique, comme me disait Luc, mais ton cerveau dit, regarde, tu vas pas là, là. Tu vas pas là. C'est oui, vraiment ça, ton signal d'alarme, ouais, numéro? Tout à fait, tout à fait. Et c'est parti, on t'explique comment t'articuler. Une fois que t'es décollé, ça te donne le point de vue. Après ça, une fois que t'avances, t'as un instructeur, t'as un coach. Le moment le plus critique de la descente, c'est quand t'as les fesses assises sur le bord. C'est au moment où t'as le plus besoin de coaching. Ça tombe bien, l'entraîneur est là. Une fois que t'es parti... Une fois que t'es parti, tu l'entends, il te fait faire des sauts pour que t'apprivoises un petit peu ta position et ton jeu. Et par la suite, on t'a appris comment freiner. Dites-vous que tu perds connaissance, t'arrêtes là. Ça descend pas. T'arrêtes là. Il faut que tu sois conscient pour descendre. Donc, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. C'est très articulé, très bien organisé. Quand tu es habitué, tu fais des jumps, des sauts un peu plus longs. Hey, je suis tellement jaloux, Marcel, si tu savais. Vas-y, Jean-Pierre, là, c'est une activité que tu adorerais d'abord. Puis c'est quelque chose qui serait le fun à faire en équipe. Oui. Parce que les gens verraient leur attitude, comment ils vont vivre ça et comment ça se place à travers tout ça. Et je dois vous dire que c'est intelligent, c'est bien organisé, c'est bien amené. On peut voir quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort complètement pour être capable de s'élancer et ensuite de partir. On en voit un autre qui est déjà à l'action. Tous les gens de cette fondation-là ont participé, se sont dépassés et ont vécu ce travail d'équipe-là. Un grand coup de chapeau à l'organisation, mais qui ont aussi su donner un sens à une activité qui aurait pu être banale oui, ou strictement athlétique pour grandir mentalement, se dépasser et réaliser jusqu'à quel point le mouvement et le dépassement de soi devient une source d'inspiration et de réalisation. On fait abstraction de tout ce qui passe alentour. Oui. On écoute. Luc? C'est parti!